Chers amis, bonsoir et vive la belle addiction à la lecture, quelle qu'elle soit. Eh bien, je vous remercie d'être à nouveau avec nous sur le plateau. Toute l'équipe d'ailleurs d'Expression Libre vous remercie de nous être fidèles. Ce soir, notre invité, Mohamed Abdallah. Bonsoir Mohamed Abdallah. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. J'ai été obligé, hein, si je vous dis tout de suite, ne vous fiez pas aux apparences, je n'ai aucune gentillesse. J'ai reçu des lettres de menaces vous concernant, me disant si vous n'invitez pas Mohamed Abdallah, eh bien, vous serez puni. Donc, voilà. Je remercierai les auteurs alors. J'obtempère, que voulez-vous, Oui. j'obtempère. Allez, trêve de Oui. plaisanterie. Mohamed Oui. Abdallah, vous êtes un des plus jeunes, si ce n'est le plus jeune romancier de notre pays, en tout cas en langue française. Et vous aviez déjà commis le grand péché d'avoir écrit un premier roman. Oui. Vous aviez quel âge? À peine 19 ans? Oui. À peine? En fait, j'avais commencé plus tôt l'écriture, mais ça avait été un processus qui avait commencé vers l'âge de 15-16 ans. 15 ans. Ça se l'appelait Entre l'Algérie et la France, il n'y a qu'une Une seule seule page. page. Et là aussi, j'ai été obligé, par multiples pressions, de vous inviter à cette émission. J'ai de très bons réseaux. Vous avez de très bons souvenirs? De très bons souvenirs de la première émission et j'ai de très bons réseaux pour me faire inviter à chaque fois. Ah ben voilà, je comprends tout. Allez, entrons dans le vif du sujet. Ce second roman s'intitule Souvenez-vous de nos sœurs de la Souma, mais c'est paru aux éditions Alep. Alors, avant qu'on sache pourquoi ce titre, mais c'est vrai que si Algérien ou Algérien, j'entre dans une librairie et que je regarde comme ça les ouvrages parus récemment, parce que quoi, il date de novembre, je crois, c'est ça, il est Oui. sorti pour le Salon du Livre, Oui, hein, fin octobre. fin octobre, Oui. début novembre, je me dis, tiens, voilà un roman, mais ça doit être un roman qui doit certainement parler du magnifique combat de nos sœurs durant la lutte de libération nationale, avec malheureusement beaucoup de martyrs, et qui va sublimer leur courage. Sans elles, eh ben, et pas seulement dans les maquis, hein, partout, même par ailleurs, eh bien, sans elles, certainement que le visage de notre libération nationale n'aurait pas été ce qu'il fut. Et sans elle, eh bien, bah non, Oui. peut-être qu'on n'aurait pas réussi. Un exploit pareil ne peut se réaliser qu'avec les deux moitiés de la nation. Tout Donc à ce n'est fait, pas. tout à fait. Et je crois que c'est une des rares révolutions, ce n'est peut-être la seule, ou peut-être le Vietnam. Ben, peut-être, probablement, la lutte, la guerre du Vietnam, c'est une des rares luttes de libération nationale où les femmes ont autant participé, ont autant donné, ont autant contribué Tout à fait. de façon manifeste, absolument admirable, afin que, eh bien, nous obtenions notre indépendance et que je puisse ce soir vous parler. Librement, Oui, tout à fait. à vous. Mohamed Abdallah. Alors, la construction de votre roman j'ai beaucoup aimé, hein. Ah, Beaucoup, merci. vraiment énormément aimé, Je suis parce ravi. que cela commence par pratiquement, je dirais, une sorte de liminaire, quand nous entrions dans les différents chapitres. C'est un homme, c'est Omar. Alors on se dit, tiens, probablement que ça va être le héros, hein, le central héros de votre monde. Et puis, ça se passe, on va dire peut-être de nos jours, quelque chose comme cela, Oui. hein, où un type, on ne sait pas très bien qui il est, on n'arrive pas à bien le définir, décide de quitter quasi définitivement notre pays, pour s'embarquer sur un bateau et pour aller rejoindre l'autre côté de la Méditerranée, notamment la France, pour aller s'installer dans une très belle ville qui s'appelle Sète, où il est enterré Georges Brassens, Tout à d'ailleurs, fait. au cimetière marin, d'où est tiré d'ailleurs lui-même une très belle chanson de Georges Brassens, où c'est son testament, en fin de compte.
Et puis on s'aperçoit qu'il a une sorte de nostalgie de son pays. Il commence à trier des documents, surtout des photos. Et on ouvre cet album de photos. Tout à fait. Alors, c'est là qu'on découvre que, pas du tout, hein, que l'héroïne plutôt centrale, Inella Bakun, en fin de compte, c'est, je dirais, le héros de votre roman. C'est le combat sublime de nos sœurs, de nos mères, de nos amies, femmes. Et on va aller progressivement à la rencontre de personnages féminins, je dirais de tout type, de toute classe sociale confondue, et on va voir à un moment donné pourquoi on arrive à ce titre, souvenez-vous, de Nos Sœurs de la Somme. Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir écrire un roman quand même, vous êtes jeune, hein, oui. Vous devriez être machiste à la société. Oh. Hein, non, je rigole. Vous êtes poussé à vouloir vous intéresser à ce sujet qui est, j'aime pas trop ce mot, mais le combat féministe. Je dirais plutôt le combat des femmes, hein, pour leurs droits. Oui, je pense que c'est un bon moyen de comprendre la société dans laquelle on vit, parce qu'il y a toujours une manière de savoir où en est une société, c'est de regarder la dynamique dans laquelle se trouvent les droits de ces femmes. C'est que lorsque un pays avance, et ça s'applique particulièrement dans le cas de l'Algérie, lorsque l'Algérie avance, il y a une progression sur la question du droit des femmes. Lorsque l'Algérie est en stagnation, voire en recul, c'est tout de suite là qu'on voit un symptôme des problèmes qui peuvent toucher l'Algérie, c'est sur la question des droits des femmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une kyrielle d'autres problèmes, mais je pense que c'est un excellent indicateur de la situation dans laquelle se trouve un pays. Et que lorsque les choses se libèrent, tout d'un coup, la parole féminine retrouve sa place dans l'espace public et l'accroît. Et je pense que c'est un bon moyen de savoir si la société algérienne est en bonne santé. Très bien dit. Moi, j'irai, si vous me permettez, j'irai plus loin. Parce que dans votre roman, vous en parlez à travers. Par exemple, je prends l'exemple d'un de vos personnages, ou peut-être deux même, Abla et Houria. En fait, non. Allez. Même Fedoua. C'est pas. J'ai trouvé que vous étiez vraiment dans le juste parce qu'il y a l'appropriation ou la réappropriation de la parole, mais il y a aussi la réappropriation de leur place, je dirais, dans l'espace social. Là, c'est excessivement important. Oui. On l'a bien vu ces derniers temps dans les différentes manifestations qu'il y a. Les femmes étaient aussi nombreuses que les hommes. Elles se réapproprient l'espace public, qui est tout simplement la rue. Alors c'est en même temps réappropriation de la parole, mais en même temps réappropriation de l'espace. C'est mon espace. Et ça devient. Bon, l'expression peut paraître malheureuse parce qu'elle a été prise déjà par un fameux dictateur, mais je réapproprie mon espace vital. Oui. Oui, mais ça n'a pas la même signification. C'est pas l'homme à moustache. C'est l'homme à moustache l'a dit, mais c'est pas le même sens. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est que il y a cette moitié de la société qui. Plus de la moitié. Vous savez qu'il y a plus de femmes que d'hommes en Tout Algérie. À fait. Hein. Donc c'est plus que la moitié de la société. Et qui en plus se retrouve comprimée. Ouais. Dans un espace qui est bien défini par des normes sociales, pseudo-religieuses, etc. Et qui va, dans des périodes aussi cruciales pour le développement de l'Algérie, pour l'avenir de l'Algérie, qui soudain fait sentir sa présence et son importance cruciale. Et c'était vrai dans le passé, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Je pense que le développement de l'Algérie ne peut passer que par une amélioration de la condition féminine. C'est ma conviction absolue. Alors voyons voir vos différents personnages. Alors après ce liminaire, cet avant-propos, où on voit ce personnage de Omar,
qui est-il ? Bon, Romain, il a un père excessivement conservateur. Sa mère décède à sa naissance, malheureusement. On lui donne une naissance. Donc, il a déjà une sorte de trauma, de culpabilité, hein, qu'on va retrouver à la fin de votre roman, hein, où il comprend mieux qui était sa mère. Une grande fratrie, c'est avec un père dictateur, quoi. Oui. Une famille qui s'appelle la famille Taleb. Hein, bon, c'est pas gratuit, c'est clair. Non, mais c'est pas gratuit. Hein. Vraiment, une famille aisée, oui. Hein, originaire de Ain Safra. Donc, je dirais que la famille se partage entre deux mondes, le monde d'Ain Safra, l'Algérie de l'intérieur, et puis la capitale. Hein. Il habite franchement au centre de la capitale, dans un bel appartement, place Audin. Donc, mais tout pouvoir, le père, pratiquement une sorte de... C'est tribal. Oui. Hein, c'est, en fait, j'ai voulu montrer les lourdeurs qui peuvent exister au sein d'une société, au-delà des effets de mode, des changements, des justifications qui peuvent exister, parce qu'on peut entendre des justifications qui sont souvent religieuses dans ce domaine-là. Mais j'ai voulu montrer à quel point c'était ancré profondément dans les mœurs d'une société ou dans les, comment dirais-je, dans les habitudes qui sont prises. Et c'est ça, parce que finalement, dans la famille des Taleb, ce ne sont pas vraiment une famille, comment dirais-je, obscurantiste. Non. Ils mènent une vie assez normale, ils vivent avec leur temps, avec leur siècle, en somme. Mais il y a quand même ce poids des traditions qui reste présent, même lorsqu'on aime à se penser moderniste, et ça arrive à tout le monde, il y a ces réflexes qui parfois reprennent le dessus et qui peuvent contrôler soit une attitude individuelle, soit une attitude familiale en général. Et c'est ce qui arrive assez souvent dans la famille des Taleb, un peu moins souvent au plus jeune de la fratrie, Omar. Oui, il est un peu en décalage par rapport à ses frères. Il va être un petit peu, non seulement le trait d'union entre tous vos personnages féminins, il est le plus ouvert, hein, il comprend très bien, très vite. Hein. Mmh. Bon, au départ, il n'est pas toujours très d'accord, mais il comprend. En tout cas, il sait ce qu'une femme, qu'elle soit son amie ou sa sœur, peut subir de pression, qui ne peut pas vivre sa vie, tout simplement, comme on dit. Hein. Mais comme vous décrivez très très bien ces repas familiaux. L'impression d'assister à des sortes de, vous voyez, comme un petit peu de repas de dynastie, je dirais presque. Hein. Je ne sais pas si c'est très bien. Excusez-moi, hein. Oui. Bon, ils ne le sont absolument pas. Hein. Ce sont tous des gens parfaitement honnêtes, pas du tout, au contraire, très nationalistes. Oui. Non, parfois que ça tient de rapport de la mafia. Non, mais excusez-moi, c'est vrai. Bon, il y a des règles de jeu. Tout à fait. C'est très intéressant que vous parliez de ça, parce que ça offre aussi un angle de lecture que je n'avais pas forcément en tête au moment où je l'ai écrit. Mais moi, c'était l'idée de la hiérarchisation au sein d'une société, d'une famille, avec des codes qui sont très bien définis et qui peuvent montrer subtilement l'évolution du rapport de force au sein de la famille. C'est l'évolution du contrôle qu'exerce le patriarche sur ses enfants. Enfin, le parrain. Hein. Oui. Non, mais il a quand même des attitudes de parrain. Personne ne peut lui couper la parole. Oui. C'est lui qui décide de l'avenir de tout un chacun. Les repas doivent prendre cette dimension-là. On a l'impression, parfois, excusez-moi, Mohamed Abdallah, qu'on tient des conseils de potentat, et puis il y a le père qui dit « je distribue les rôles comme s'il distribuait des duchés ». Tout à fait.
C'est la situation de base, du moins, où au fur et à mesure, ça évolue. Ah, ça évolue. Oui. Et fort heureusement, sans règlement de compte. Alors, il n'y a pas un règlement de compte, mais... Alors, voilà. Oui. Ça évolue par qui? C'est marrant parce que ça n'évolue pas par l'intérieur. Non, c'est... À part le personnage féminin. Oui. Wahida. Ça n'évolue que parce que de l'extérieur viennent des éléments qui ne sont pas de la famille, c'est-à-dire qui ne sont pas du même sang, je dirais. Et ce sont les femmes qui vont faire levier et qui vont petit à petit remettre en cause cette cohésion, je ne sais pas si on peut dire tribale, familiale, patriarcale. Tout à fait. Je pense que, en fait, j'ai voulu faire un petit peu une métaphore là-dedans du développement des sociétés en général, parce que on s'aperçoit que les sociétés qui, au cours de l'histoire humaine, se sont retrouvées complètement cloisonnées et fermées à tout type d'influence, se sont retrouvées finalement laissées un petit peu derrière en termes de développement par rapport aux sociétés qui étaient en plein milieu du village mondial et qui ont continué à croître au fil des siècles par les relations qu'il peut y avoir avec d'autres sociétés étrangères. Donc là, j'ai voulu appliquer un petit peu ce raisonnement au microcosme familial des Talebs et montrer comment, pour sortir un petit peu de ces normes sclérosées, il y a eu cette injection de sang neuf qui est arrivée par les belles filles, finalement. Je dirais que c'est un double métissage, presque. Tout à fait. Hein? Il y a une sorte de métissage intellectuel, métissage social. Mm-hmm. On va voir que les personnages féminins qui vont entrer dans ce microcosme patriarcal, elles viennent de différents milieux sociaux. Tout à fait. C'est une manière de montrer que... Parce que c'est un point aussi, finalement, de dire que la diversité est une richesse. J'ai essayé de le montrer, je l'espère, de manière assez cohérente au cours de ce roman. Il ne s'agit pas simplement de le répéter, mais aussi parfois de le montrer au fil d'une histoire. C'est que cette famille a pris un cours qu'on aurait, le développement de cette famille a pris un cours qui n'aurait pas eu lieu si tout s'était passé comme prévu, s'il y avait eu ces mariages qui auraient été comme le patriarche le souhaitait, comme les... mariages de raison. Hein. Tout à fait. Si tout s'était passé comme prévu, finalement, ça aurait été moins intéressant que s'il n'y avait pas eu ces coups aléatoires. Bien sûr. on se dit, tiens, c'est le grain de sable. Qui rentre dans le rouage de ce que voulait le père. Bon, avec un prénom, excusez-moi, qui n'est là aussi pas gratuit, hein. Mouley. Oui. Bon, bah oui, bah tout ça donne quand même des références à certains rois. Tout à fait. Bon, suivez mon regard. Ensuite. Jusqu'à pratiquement le dernier chapitre, ça suit une chronologie qui va, parce que ça commence pratiquement, on va dire, 1er novembre 62, quelques mois après l'indépendance, donc on est en pleine liesse, le pays est en pleine liesse, en pleine effervescence, et puis il commence à penser comment on va construire ce pays, maintenant que nous sommes libres, nous Algériennes et Algériens. Et puis ça va jusqu'aux années 90 et un peu plus, quand tout d'un coup le monde va encore muter, le monde algérien va encore muter, et vous appliquez les différents tempos, je dirais tempi normalement, de la société algérienne de 62 aux années 90. Alors, racontez-nous un petit peu, Abdallah. D'abord, je voudrais que vous nous fassiez le portrait de vos différents personnages féminins. Qui sont-ils? Parce qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreuses. Hein. Oui, c'est possible. Quelquefois, on s'y perd. Hein. Je vous dis franchement, quelquefois, on s'y perd. C'était pour non, mais c'est pas une critique. Hein. Oui, c'est pour avoir une,
une manière un petit peu d'avoir la femme algérienne qui serait l'héroïne, l'héroïne du roman. Donc les personnages féminins, donc, on peut commencer par Wahida qui est la sœur de Omar. C'est elle qui est finalement le plus victime de cette, ordre, de cet ordre établi, et qui va devoir le renverser de l'intérieur de la famille. Et c'est peut-être elle qui va aussi montrer la voie aux autres et qui va en même temps suivre un petit peu l'impact qui est apporté par ses belles-sœurs. Ses belles-sœurs, il y a Fedwa qui est très tôt politisée, ouais. Dont la conscience politique est éveillée dès les premiers mois de l'indépendance. Ouais. Et à travers elle, on va voir un petit peu le côté militant de la lutte, et c'est là que le mot de combat féministe prend tout son sens. À côté d'elle, il y a l'autre belle-sœur qui est Abla, qui apporte la touche plus artistique peut-être. Parce que finalement, chaque combat… – Le monde de la culture. – Voilà, chaque combat a besoin d'une âme finalement. Et je voulais faire de Abla la représentante, une des représentantes, parce qu'il y a aussi Huria, une des représentantes de ce combat-là. Abla et Fedwa ont en commun de ne pas avoir été sujettes dans leur famille respective à ce type d'entrave, finalement, à la réussite. Et c'est en rentrant dans la famille des Taleb que va commencer vraiment leur combat. À côté de ça, il va y avoir… – Alors, elles sont directement liées à la famille Taleb. – Tout à fait. Hein, – parce qu'elles se marient avec deux fils de Moulay, le père. – Tout à fait. Et elles vont donc être en contact direct avec avec le père. – Avec le père, et ça ne va pas toujours être très, très heureux. – Pas du tout. Lui, de toute façon, il n'en veut pas. D'un côté, c'est très, très paradoxal. D'un côté, il veut bien… il veut que ça soit une fille dite de bonne famille, mais il faut qu'elle soit, même si Raria, comme on dit, mais il faut qu'elle soit docile. C'est ça le plus important, docile. – Tout à fait. – Soumise et docile. Pas soumise genre, bon, je n'ai rien à dire, etc. et tout ça, non. Mais la véritable soumission, malheureusement, c'est… – C'est quand les mots ne vont que dans le sens. – Exactement. C'est quand les quelques mots qu'ils tolèrent de leur part, ça ne peut être que des mots d'approbation, finalement. Ah. Et comme ce n'est pas le cas, ça l'exaspère. La potiche, quoi. Exactement. La potiche. Tout à fait. Et comme ce n'est pas le cas, il va y avoir une série de tensions au sein de la famille des Taleb qui va être accentuée par l'arrivée, à partir de la moitié environ du roman, l'arrivée de nouvelles jeunes filles qui vont être liées de manière plus indirecte aux Talibs, qui vont être en contact avec les Talibs, mais à l'exception de Huria, ça va rester plutôt dans le cercle extérieur. Donc il y a Lamia et Aïcha qui, elles, ont connu une forme de problèmes qui vont être plus directs et plus violents peut-être que ceux qu'a connu Wahida dans la famille des Taleb. C'est que ce n'est pas simplement une liste de règles à respecter. C'est plus que ça. C'est des normes très, très strictes, et lorsqu'on a le malheur de les transgresser, Non, c'est des situations sociales aussi. Voilà, qu'elles ont vécu avec, bon, je dirais, l'une, si mes souvenirs sont bons, elle est divorcée. Oui, hein, c'est un. Parce que franchement, c'est l'horreur, quoi. Et c'était pas un divorce à l'amiable. Non, pas du tout. C'était fuite, vite, vite. Je prends mon baluchon et je pars, parce que ça risque de tourner au vinaigre. Tout à fait. C'était pour montrer que les relations sociales deviennent plus coupantes lorsque la situation matérielle est plus, comment dirais-je, est plus précaire. Parce que la précarité augmente le risque de conflits plus violents, finalement. Parce que même lorsque Wahida décide de transgresser un petit peu les normes paternelles, on en reste au stade de l'invective, ce qui est déjà terrible. Mais elle arrive assez rapidement à se ressaisir et, avec l'aide de ses frères, à braver l'interdit paternel. Dans d'autres cas, les frères peuvent avoir un rôle plus problématique, on va dire.
Et c'est en fonction des milieux sociaux, il y a cette différence d'approche. C'est que parfois, on peut rencontrer plus facilement des points d'appui sur lesquels on peut compter au moment de prendre ces décisions-là qui ne sont jamais simples à prendre. Mais lorsque le milieu social est plus élevé, c'est plus simple de faire cette décision-là. Croyez-vous cela, Mohamed Abdallah ? Parce que ce n'est pas ce que j'ai pu trouver, peut-être que c'est ma lecture en tout cas dans votre roman, et c'est ce que j'ai trouvé comme sa subtilité dans votre roman. Mais peut-être que c'était inconscient, j'en sais pas. Est-ce que vous pensez très franchement que parce qu'on est dans une famille aisée, parce que toute sa vie on a été comme Wahida, bon bah écoutez, fais le ménage, occupe-toi de la maison, sois la gouvernante de la maison, occupe-toi de tous tes frères, c'est la seule fille, occupe-toi de ton père, etc. et tout ça. Est-ce que c'est pas plus violent que ce qu'a pu vivre Houria ou Aïcha, qui elle, c'est parce que c'est une situation pragmatique très dramatique, et sociale et quasiment physique. Son père la bat pas, pas du tout. Elle vit bien dans un milieu extérieur. Est-ce que c'est pas plus violent cette pression plus subtile, mais plus dangereuse que celle que peuvent... Parce que quelqu'un comme Houria, quelqu'un comme Aïcha, comme Lamia, etc., c'est une coupure franche. On est obligé de se décider rapidement. Oui. Alors qu'avec Wahida, on peut toujours lui dire « Oui, non, mais attends, tu es très bien, mais personne ne te fait... Mais tu as un père qui te respecte, etc. Enfin, tu as des frères qui t'adorent. Tu as tout ce qu'il te faut. Quelle est cette idée saugrenue ? Pourquoi aller travailler ? En plus, à l'UNFA. Et tu veux être élu. C'est ridicule. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus violent. Je pense que c'est plus violent comme combat interne. Ouais. Parce qu'il est plus difficile de s'arracher à ce quotidien dans lequel on pourrait se reposer finalement sur des acquis et rester dans un certain confort. Mais néanmoins, là où je parlais du contraste entre l'état d'esprit des fratries, c'est qu'on voit que Houria, elle doit lutter contre sa fratrie littéralement. C'est pas une discussion au coin du feu finalement. C'est que il y a un danger réel et immédiat sur sa personne. C'est pour ça que finalement, comme vous l'avez dit, c'est une coupure plus franche. Mais dans l'immédiat, je pense qu'il y a plus de violence, de violence physique qui plane en tout cas sur sa personne. Alors que dans le cas de Wahida, le combat interne est plus présent parce que il y a cette tentation finalement de se conformer aux attentes sociales. C'est plus complet. Je vais être très franchement, quand au fond, parce qu'on va le voir dans votre roman, par exemple, les rapports que va avoir, comment elle s'appelle, la journaliste avec son mari, Delis. Fedoua avec Delis. Avec Delis. Lui, carré, comme on dit, diplomate, donc ouvert d'esprit, on peut le supposer ainsi, etc. Vous savez, j'ai une longue expérience, malheureusement, entre pays, de voir des couples très intellectuels où le discours de l'homme est ouverture d'esprit, etc. Je comprends très bien le combat des femmes. C'est bizarre parce qu'il ne comprend pas le combat de sa femme. c'est très étrange. Oui. C'est toujours... En réalité, ma femme, c'est inconscient peut-être, mais ma femme, elle est là pour me valoriser. Oui. Pas pour que tout d'un coup, la société lui trouve son mérite à elle et sa valeur à elle. Moi, je trouve ça pire. Parce que c'est franchement une hypocrisie qui cache un machisme profond et beaucoup plus difficile
à extirper que, par exemple, le pauvre type qui est en train de, bah, je ne dis pas battre sa femme, mais carrément lui dire, toi, tu sais à peine lire et écrire, donc c'est les fourneaux et les enfants, quoi. Oui. Là, c'est visible, c'est tout de suite. Oui. C'est plus compliqué. Ils n'ont même pas le mérite de la cohérence, en fait. Absolument. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Mais vous le dites très bien dans votre roman. Mm-hmm. Hein. C'est cette idée-là que j'ai voulu montrer, c'est que la complexité du combat féministe, puisqu'on va utiliser ce terme, du combat féministe, ce n'est pas seulement la lutte contre les dangers plus immédiats, c'est un combat de fond et qui ne prend pas fin avec l'élévation du niveau d'éducation. Ce n'est pas simplement une question une fois que les gens sont exposés à certaines idées, c'est bon, c'est fini, on peut passer à autre chose. Non, c'est quelque chose qui... C'est une idéologie qui se métamorphose, en fait, et qui s'adapte au milieu dans lequel elle prend racine. Oui, et à l'évolution de la société. Et tout à fait. Hein, combien de personnes qui étaient, franchement, un excellent niveau et social, et sur tous les points de vue, soi-disant intellectuel, j'ai beaucoup de doutes là-dessus, parfois. ma femme, mais elle travaille, elle a sa voiture, etc. Oui. Ça se résume à ça. Mais quant au fond, ce n'est peut-être. Est-ce que c'est seulement cela? Et il vous dit, regarde, mon voisin, c'est l'horreur, il est toujours en train de crier sur sa femme, la pauvre, elle est toujours, comme on dit, toujours en train de faire le ménage, les fourneaux, les enfants, etc. À peine s'il la laisse sortir, etc. Vous savez, j'ai un doute. Mais ça, vous l'exprimez très bien dans votre roman. Le vernis de modernité qui fait figure de réforme profonde. Oui, oui. Il n'y a rien de pire que, comme vous dites, ce vernis dit de tolérance. Oui. Et je ne parle pas seulement. C'est l'expression que j'emploie, c'est d'une façon générale. Moi, je suis très tolérant, etc. Et tout ça. Surtout quand ça vient de quelqu'un qui fait partie de ce qu'on appelle l'élite intellectuelle, etc., et qui, au bout d'un moment, dans la discussion, vous rendez compte que... jusqu'où va sa tolérance ? C'est assez naturel, il revient au galop. Ouais, jusqu'où va sa tolérance en réalité ? Elle a franchement des butoirs, tout d'un coup on s'en aperçoit. Et c'est ça que j'ai vraiment adoré dans votre roman, parce que vous montrez d'un côté ce qui est la triste réalité, ce qu'on pourrait appeler les femmes battues, les femmes réprimées, les femmes, etc. Mais j'ai beaucoup aimé. Alors, par exemple, on n'aurait jamais pu imaginer la discussion que, vers la fin de votre roman, de Omar, semblait-il être un personnage, ce qu'on appelle une sorte de héros positif pro-féministe, avec Holia. Oui. J'ai adoré. Oui. Je me suis dit, comment et tout d'un coup, il argumente le fait que, mais non, moi j'ai jamais été comme ça, et je t'ai laissé. Oui, mais tu m'étouffes maintenant. C'est toi qui m'étouffes. Tout à fait. C'est une manière, puisque tu es en train de vivre ta vie, tu m'étouffes. C'est pour ça qu'avoir des idéaux, ce n'est pas toujours très simple, parce qu'il faut les faire vivre au contact de l'expérience, et il faut les faire vivre au quotidien. Ah, le quotidien, n'en parlez pas. C'est que ce sont finalement des discours, même si Omar essaye de se montrer à la hauteur tout au long du roman, mais finalement, même lui peut avoir ces moments où il retombe dans ses travers. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai voulu montrer que c'est un travail quotidien, que c'est un travail de tous les jours, qu'il ne faut pas déclamer un discours progressiste et puis se rasseoir en se disant qu'on a fait sa part et que maintenant on peut revenir à la mode d'antan. Comme vous disiez si bien, le naturel revient au galop, c'est-à-dire que tout d'un coup, sans qu'il s'en rende compte, Omar pourrait à la longue devenir le semblable de son père. Oui. Tout à fait. Oui. Avec une pointe, disons, de tolérance un peu plus haute, d'ouverture d'esprit un peu plus élevée, mais c'est pas ce qu'attend Julien.
Tout à fait. Pas ça. C'est ça, c'est le décalage entre les attentes à la fois de la partie féminine et de notre époque finalement, et ce que les hommes peuvent être capables de montrer, c'est-à-dire que le changement, mais pas trop. C'est un petit peu ça qui peut transparaître si on se laisse, si on se laisse bercer vers sa nature finalement. C'est ça qui est problématique. C'est que si on retombe dans les travers qui nous ont été inculqués ça va vite. Peut-être finalement dès l'enfance, parce que Hommage, on commence dès le début du roman, il est déjà un jeune homme, mais cet ensemble de valeurs traditionnelles qui sont entrées dans sa psyché finalement et qu'il ne parvient pas totalement à surmonter. Oui, parce que c'est reposant. Hein. Oui. C'est reposant, c'est bien. Bon, ben voilà, c'est beaucoup plus difficile. On escalade. Plus âprement, le fait de veiller soi-même, hein, à l'intérieur de soi-même, se dire attention, là peut-être que j'ai dérapé, hein, que de se dire oh, mais moi, vous savez, je suis très ouvert, je suis très tolérant, bien sûr, on va me faire du théâtre, mais oui, etc. Bon, c'est-à-dire les poncifs, quoi. Et puis, tout d'un coup, dès qu'il y a une faiblesse, je dirais, de la part de la lutte pour qu'elle soit elle-même, soit sa femme, soit sa sœur, etc. Oh, on vient de dépasser les limites, là. Oui, exactement. Alors, j'étais très agréablement étonné, Mohamed Abdallah, par... je sais que là, je ne veux rien dire, hein, mais quand même par votre excellente maturité, très haute maturité, concernant le combat des femmes dans notre société. Je vous dis très franchement, c'est pas parce que vous êtes en face de moi, mais c'est assez rare. Merci beaucoup du compliment. Après, je pense qu'il y a une conscience qui émerge, et on le voit, vous avez parlé des manifestations, il y a des revendications qui reviennent actuellement, et je pense que c'est une conscience globale. Et si elle est présente en moi, je pense que c'est une conséquence finalement de notre époque. Et si je suis aussi conscient de l'importance de cette question, je pense que c'est tout simplement parce que je veux que mon pays avance finalement. C'est que être privilégié dans une société qui a du mal à avancer, c'est moins désirable que d'être des égaux dans une société qui avance mieux. C'est finalement ça le message que j'ai voulu faire passer à travers le regard de Omar. C'est pour ça que j'ai pris un personnage masculin pour raconter l'histoire de cette héroïne qui est la femme algérienne. C'était pour avoir une idée un petit peu de tous les conflits qui peuvent passer par la tête d'un homme quand il se lance aux côtés des femmes dans ce combat. C'est cela que j'ai voulu montrer, c'est que le combat des femmes, c'est le combat de toute une société. Ce n'est pas un combat qu'elles ont à mener seules. Qui est exclusivement féminin. Les femmes... Dans le couloir féministe. Exactement. Et les femmes contribuent énormément au combat de toute la société. Et c'était aussi ça que j'ai voulu montrer au début du roman. Et il faut aussi que toute la société contribue à leur combat. C'est donnant-donnant. Et espérons-le, gagnant-gagnant. Alors très franchement, peut-être que je vais me faire des ennemis en vous disant ça. Je suis, alors là, de façon plus qu'agréable, j'avais quasiment les larmes aux yeux, de constater que, ou peut-être que je me trompe du tout, hein. La jeunesse, enfin la génération plutôt, je dirais, qui était fin des années 70, presque au début de ce nouveau siècle, était comme assoupie. Hein, et que votre jeunesse, c'est-à-dire celle qui a commencé à
à s'ouvrir, c'est celle du 21e siècle. Hein. Oui. Donc, j'ai pu constater à travers ces différentes manifestations, etc., que c'est pas du tout la même chose. Il y en a une qui est assoupie et une qui est franchement incroyablement éveillée, avec un niveau stupéfiant de maturité intellectuelle, de maturité politique, de maturité idéologique et de maturité des rapports hommes-femmes, adolescentes-adolescents. J'étais vraiment... j'y croyais pas du tout. Hein. C'est en allant dans ces manifestations, vous voyez, je me disais, bon, mais c'était pas du tout comme ça. Alors qu'étrangement, ma génération, c'est celle qui avait 19, 18, 19, 20 ans dans les années, juste après fin des années 60, début des années 70, était comme ça. Oui. Hein, politisée, mûre, très participative, oui. Voilà, à ce que l'Algérie avance sur un chemin franchement ouvert, éclairé. Et puis tout d'un coup, il m'a semblé qu'il y avait une coupure. Oui. Est-ce que je me trompe? Vous qui faites partie de cette nouvelle jeunesse, puisque vous êtes né en 97, oui. Donc vous êtes plus celle du 21e siècle. Tout à fait. Hein, alors, pour la génération intermédiaire que vous décrivez comme ayant été assoupie à un certain moment, personnellement, je fais confiance. Anesthésiée. Voilà, je fais confiance à votre jugement, vu que moi, du coup, j'ai... Oui, vous ne la connaissiez pas. Mais pour ce qui est du réveil qu'on est en train de vivre actuellement et qui, je trouve, est extrêmement positif. Et je pense que c'est quelque chose qui a à voir avec les conjonctures historiques. Mmh. C'est qu'il y a des points d'inflexion dans l'histoire où le destin d'une nation se joue. Et je pense que c'est lorsque l'occasion se présente qu'il peut y avoir comme ça une montée de conscience politique. Mmh. Ouais, et une montée de conscience sociale aussi. Absolument. Et je pense que c'est une question finalement d'une génération qui rencontre l'événement qui va la définir. Et je pense que notre génération vient de rencontrer cet événement qu'on est en train de vivre en ce moment même. Où... Vous avez beaucoup de politiques, d'historiens, oui. etc. Participent à cette thèse, qui à mon avis que je partage, en disant que malheureusement, c'est dans les moments excessivement difficiles de l'histoire d'un pays où tout d'un coup que par obligation, les consciences s'éveillent et hissent leur niveau à un plus haut degré. Mm-hmm. Vous connaissez la fameuse phrase d'Orson Welles, hein, je ne sais pas, c'est vous qui êtes féru de cinéma, je le sais, qui dans un film qui s'appelait Le Troisième Homme, disait, vous savez, il disait ça à Joseph Cotten, il dit, vous savez, je vais vous dire une chose. La Renaissance italienne, hein, il y avait les Sforza, il y avait les Borgia, il y avait les Orsini, les Rovere, tout ça. Ça s'entretuait à qui mieux, ça s'empoisonnait à qui mieux. C'était l'horreur la plus totale. Tout ça s'assombrait dans une sorte de chaos. Mais. Ça a donné Botticelli, ça a donné Raphaël, ça a donné Michel-Ange, ça a donné Léonard de Vinci, ça a donné Dante, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, bon. Alors que pendant à cette même époque, dans une contrée qui s'appelait aujourd'hui la Suisse, hein, ça ne s'appelait pas la Suisse puisque ce n'était pas encore constitué en tant que pays, tout était calme, tout était bien, tout était parfait, ça ne s'entretuait pas, on ne sortait pas la dague pour un oui ou pour un non, etc. Déjà et, mais qu'est-ce que ça a donné? Le coucou. Voilà, faudrait savoir. Parce que, malheureusement que, comme disait un grand philosophe politique, c'est la violence dans l'histoire. C'est terrible à dire. Bon. Il nous reste que quelques minutes. Je voudrais qu'on termine par ce que vous pensiez comme question que j'allais vous poser au tout début. Oui. Pourquoi souvenez-vous de nos sœurs de la Soumam?
Alors, le titre, déjà de base, c'était un choix. Il a une explication dans le roman. Oui. Je le dis tout de suite. Oh, vous, futures lectrices et lecteurs. Il y a une explication dans le roman. Après, c'était le titre en lui-même était un choix de l'éditeur. C'était une question de savoir frapper l'esprit du lecteur. Je fais confiance à mon éditeur pour ça. Maintenant, sur la vision globale du livre, ça aurait été plutôt les filles de mon pays. Ça aurait été finalement la vision du roman. C'était de parler des filles et des femmes de l'Algérie. C'était ça, l'idée. Sur les sœurs de la Soumam, plus précisément, l'idée, c'est de montrer, c'est le raisonnement que j'ai un petit peu développé plus tôt. Ça aurait pu être Algérie, ma femme. Ah, c'est un très joli titre. Mmh. Bah, oui. Vous auriez dû me l'envoyer. Non, je ne me lancerai pas dans l'édition, c'est un métier trop difficile. C'est à vous de voir, mais je pense que déjà pour choisir les titres, vous avez ce qu'il faut. Mohamed Abdallah, souvenez-vous de nos sœurs de la Soumam, parce que c'est effectivement un combat de nos sœurs, de des femmes, qu'elles aient 18 ans, leur majorité ou leur prise de conscience peut-être avant, jusqu'à nos Ajays, comme on dit, nos grand-mères, ou nos arrière-grand-mères, même pour certaines, qu'on voit aujourd'hui d'ailleurs, drapeau bien levé, avec le Hayek en train de défiler. Pour moi, c'est une pure merveille de voir ça. Un mouvement total dans une société, finalement. Oui, ouais, extraordinaire. Donc, je rappelle d'abord le titre du premier roman. Entre l'Algérie et la France, il n'y a qu'une seule page, paru chez Aneb, toujours. Hein. Oui, aux éditions Aneb. Voilà. Et puis ce second, Souvenez-vous de nos sœurs de la Soumam, paru également chez Aneb. Bon, je ne veux pas vous poser la question, savoir si vous êtes sur un nouvel écrit, probablement. Que oui, pour notre plus grand malheur, parce que je vais être encore obligé, après moult pression, de vous inviter pour quand il sera édité. Et que voulez-vous ? Bon, c'est comme ça. Enfin, si on peut résumer, parce que cette phrase, je la trouve magnifique, elle est d'une journaliste américaine qui était une journaliste en freelance, qui a couvert partie des événements pendant notre lutte de libération nationale, journaliste américaine, que vous citez d'ailleurs, qui a couvert d'ailleurs le Maroc, le Sahara occidental, partie dans le monde entier. Là où ça chauffait, elle aimait bien y aller. Du journalisme. Hein. Malheureusement, ses écrits ne sont pas traduits et publiés ni en arabe ni en français, alors qu'elle a fait beaucoup d'écrits et dans des très grands quotidiens ou hebdomadaires américains, dans Time Life par exemple, etc. Tout cela. Bon, et ben, je ne vous dirai pas son nom parce que vous le trouverez dans le livre, comme ça vous oblige. Mais vous pouvez trouver sa vie, sa biographie, etc. En allant sur Internet. Alors voilà, et puis donc elle a cette magnifique expression, les femmes portent bonheur, malheureusement dans une situation très tragique. Voilà. Merci Mohamed Abdallah. Merci à vous. Mille fois. Vraiment, un roman qui m'a énormément touché, et d'une très grande maturité, d'une très grande intelligence et d'une très grande subtilité. C'est paru donc chez Aneb. Vous pouvez retrouver votre émission Expression Livre, car c'est la vôtre, via Canal Algérie en tapant Facebook ou tout simplement Canal Algérie. Via YouTube www.entv.dz. Je vous remercie de votre attention pendant cette heure. Je vous souhaite une excellente fin de soirée sur votre chaîne préférée, Canal Algérie
Bien évidemment. Allez, je vais être encore itératif. Bien sûr, c'est la phrase que vous attendez, j'en suis sûr, avec beaucoup, beaucoup d'impatience. À la semaine prochaine, même jour, même heure, même punition. Mon ami caméraman, dès que je prononce cette phrase, se lève immédiatement. Au garde à vous, les doigts sur la couture du pantalon. Et la dernière fois, il pensait que je l'avais oublié et il allait me faire tous les reproches. J'étais obligé de lui payer un dîner royal dans un restaurant d'excellence. Mais non, je la dirai. Allez, bonsoir à vous, bonsoir chez vous, à la semaine prochaine. Merci mille fois de votre attention. Bonsoir. Merci. Merci. Madame Malin.